Désolé, Ezio. Nous ne pouvions pas prévoir que Silvio allait tricher. Vraiment? Ma sœur, vous vouliez qu'on vous prévienne si on apercevait la crapule qui a reçu le masque d'or. Il est en route pour la fête du Doge. Parfait. Je vais le rattraper avant qu'il arrive et lui reprendre le masque. Comment? Tu vas le tuer, lui aussi? Oui. Tu sais ce qui est en jeu. Non. Si tu le tues, ils annuleront la fête. Et Marco ira se réfugier dans son palais. Nous avons perdu assez de temps. Contente-toi de voler le masque. Discrètement. Les filles t'aideront. Elles sont en route pour assister à la fête, tu les verras en chemin. Quand elles feront diversion, tu en profiteras pour t'emparer du masque. Va bene, ça me convient. La réputation de nos articles n'est plus à faire. Nos armures et nos fiches sont dignes de l'empereur. Face devant, belle homme. C'est un grand seigneur. Mais qu'est-ce qui lui prend de faire ça? Buonasera, signore. Tu as réussi. Marco est à bord d'un bateau. Il va prononcer son discours dans quelques minutes. En attendant, mêle-toi aux filles. Déplace-toi avec elles pour ne pas te faire repérer. Trouvez-le. D'où vient-il, celui-là? Alors, moi, n'est pas sûr. On est la copine sans Non,
Signore e signori, veuillez accueillir notre bien-aimé Doge de Venise. Benvenuti! Bienvenue, mes amis! Bienvenue à l'événement le plus grandiose de la saison! Qu'elle soit en paix ou en guerre, qu'elle soit prospère ou dans la misère, la cité de Venise aura toujours son carnaval! Merde! Il reste à bord du bateau. Je vais devoir y aller à la nage. Je te le déconseille. Ils t'auront vite repéré. Dans ce cas, je vais devoir y aller en... Attends! Ce soir, nous sommes tous réunis pour célébrer notre génie. Les lumières de notre belle cité n'ont pas fini d'éclairer le monde. Bien sûr, ton pistolet. Celui qui a arrêté le meurtrier. Les explosions. Ouvriront la détonation. Tire au bon moment, et personne ne remarquera ce que tu fais. J'aime vraiment ta façon de penser, tu sais. J'attendrai ton retour au bercail. Nous avons traversé des moments difficiles, je ne vous l'apprendrai pas. Mais, tous ensemble, nous avons relevé la tête. Et la cité de Venise en est ressortie plus forte que jamais. Les transitions de pouvoir sont toujours difficiles pour chacun d'entre nous. Mais nous avons traversé cette épreuve dans la grâce et la sérénité. La perte d'un doge dans la fleur de l'âge est révoltante. En particulier, lorsqu'on sait que celui qui a perpétré cet acte de cruauté, cet assassin, se cache toujours parmi nous. Merde. Il reste à bord du bateau. Je vais devoir y aller à la nage. Je te le déconseille. Ils t'auront vite repéré. Dans ce cas, je vais devoir y aller en... Attends. Ce soir, nous sommes tous réunis pour célébrer notre génie. Les lumières de notre belle cité n'ont pas fini d'éclairer le monde. Bien sûr, ton pistolet. Celui qui a arrêté le meurtrier. Les explosions couvriront la détonation. Tire au bon moment, et personne ne remarquera ce que tu as fait. J'aime vraiment ta façon... Non. Il est trop tôt. Je ne suis pas prêt. On l'est rarement. Puisse la mort t'apporter la sérénité. Requiescat in pace. On va l'amener sur la place. Ils allumeront un grand feu de joie dans une heure. Légitime.
Caliverne. Cet homme n'est qu'un fou. Messire, ne me faites pas de mal. J'en avais assez d'être mal dans vos bottes. Vous avez les orteils froids et mouillés à son âge. Oh, très impressionnant. Mais ça arrive à quoi? Encore un mercenaire. Le voilà. Tu t'échapperas pas. Filio di putain. Si ça se trouve, je suis ton père. Fabriqué dans les mines. Et je ne pensais pas que vous aviez assez d'argent. Ça devrait aller mieux maintenant, mais pas d'imprudence. Quel spectacle! Mais quel spectacle! Un vrai héros! Tu dois être épuisé. Viens, détends-toi. Ah! Le sauveur de Venise! Je ne sais pas quoi dire. J'avais tort de douter comme je l'ai fait. Après tout, nous verrons bien ce qu'il en ressortira. Ça suffit maintenant. Tu as eu une rude journée. Ton corps est fatigué. Il a besoin de confort. Et de réconfort. J'ai mal partout et je souffre le martyre. J'aurais surtout besoin de réconfort et de chaleur humaine. Oh, ça peut s'arranger. Les filles ? Mmh.